Salutations et bienvenue dans un nouvel épisode de Guide sur les kites RuneScape. Aujourd'hui, nous allons réaliser la quête Concours de pêche en temps réel. Pour accomplir cette quête, il vous faudra un niveau de 10 en pêche et il vous faudra 5 pièces d'or. Pour faire un petit résumé de la quête, la maison des nains et des montagnes serait un moyen idéal pour traverser la montagne du Loup Blanc en toute sécurité. Cependant, les nains n'aiment pas trop les inconnus. Ils vous laisseront traverser le tunnel sous la montagne à une condition. Leur rapporter le trophée du concours de pêche annuel. Pour commencer la quête, il faudra parler à Austrie, qui se situe au nord de la magnétique de Taverley. Sélectionnez la première option, la deuxième, la troisième option, la première option. Acceptez la quête. Téléportez-vous au village des prophètes. Allez au nord-ouest de votre position pour pouvoir entrer dans le bois de Mec Grumbar. Glissez-vous dans le grillage souple. Allez complètement à l'ouest. Vous y verrez des lianes rouges sur le sol. Vérifiez-les au moins 3 à 4 fois. Ressortez par le même endroit que vous êtes arrivé. Rendez-vous proche de la forge du village des prophètes. Vous y verrez une maison du côté sud de la forge. Entrez-y et prenez l'ail sur la table. Allez à l'ouest de la guilde des archers. Parlez à Maurice. Entrez par la porte à côté de lui. Utilisez l'ail sur l'un des quatre tuyaux d'évacuation. Si cela ne marche pas, approchez-vous ou bien tentez sur un autre. Parlez à Bonzo. Sélectionnez la première option. Attendez un peu. Allez pêcher jusqu'à ce que le concours se termine.
Téléportez-vous à Taverley. Parlez à Ostri. Félicitations, vous avez terminé la quête Concours de pêche, ce qui vous donne un point de quête, 2437 XP en pêche, l'accès au raccourci de la montagne du Loup Blanc et deux clés de la chasse au trésor. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésite pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains guides de RuneScape. Et bien sûr, de mettre un like, ça aide grandement à soutenir la chaîne. Sur ce, à très bientôt. Ciao, bye!